mais le vélo, ce n'est pas mal non plus. Les habitants de Barbantane, dans le nord des Bouches-du-Rhône, vont pouvoir s'en donner à corps joie. 5 nouveaux circuits cyclistes viennent d'être inaugurés autour de chez eux. Des kilomètres de balades en perspective pour les amateurs. Philippe Fabrec, Sidonie Canetou. Ils étaient une soixantaine ce matin à s'élancer pour une balade autour de Barbantane. Un circuit à vélo de 15 km au cœur de la montagnette. Un projet qui s'inscrit dans le développement sur ce territoire de nouvelles activités axées sur le tourisme vert et durable. On s'est rendu compte qu'on était un territoire qui était très valorisé au niveau naturel, au niveau patrimonial. Et on souhaite que les personnes viennent circuler sur Terre de Provence et sur Barbantane, parce que c'est un territoire et un village où il fait bon vivre. Dès les premiers coups de pédale, les cyclistes baladeurs apprécient le paysage et les routes tranquilles et dégagées. Samedi, il fait beau, c'est une découverte. Mais ce sont déjà des chemins que je connaissais un petit peu. Très belle initiative pour faire connaître nos paysages à Barbantane et puis aussi faire en sorte que tout le monde se réunisse, petit et grand. Ça fait une journée très agréable pour nous tous. La communauté d'agglomération Terre de Provence, qui regroupe 13 communes, a tracé 5 boucles de 15 à 23 km sur tout son territoire. Des circuits bien sûr destinés aux touristes, mais pas seulement. J'invite la population Terre de Provence à utiliser ces circuits, à profiter de cette signalétique pour faire une balade en famille, entre amis, le week-end ou quand ils le veulent. C'est vraiment, on apprend à connaître bien souvent des choses proches de chez nous qu'on ne connaissait pas. Après les chemins plats des bords de Durance, la route s'élève un peu du côté de la montagnette. Pas de quoi effrayer, même en famille ici, on peut prendre du plaisir à vélo. Il y a mon papa devant moi et j'arrive beaucoup à le doubler. Vous voyez, 7 ans et elle arrive même plus vite que son père. Donc c'est vraiment fait pour la famille, il n'y a pas de doute. Après les routes champêtres et bucoliques, cette balade permet de découvrir le patrimoine local. Le vélo est vraiment devenu à Barbantane une nouvelle façon de découvrir les richesses naturelles et culturelles de ce village.